Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire la revue du Scénic que j'ai acheté. Voilà, on est sur un Renault Grand Scénic Business DCI 110 EDC. La première mise en circulation, c'était en 2017. Donc c'est un Renault Scénic 4e génération. Quand j'ai acheté, il avait 36 398 km. 2024, il a 106 km 298. Donc je peux vous donner mon retour. Voilà, je vous ai donné toutes les infos. Quand je l'ai acheté, le nombre de kilomètres. C'est pour vous dire que j'ai acheté ce véhicule pour le travail. Il me fallait 7 places et je voulais pas mettre une grosse somme. Donc on a acheté ce véhicule. Il y a beaucoup qui m'ont déconseillé, qui avaient beaucoup de problèmes. Moi, je vais pouvoir vous dire sur le temps, 2020-2024, ça fait 4 ans, et j'ai fait à peu près 70 000, 76 000 km avec. Donc je vais pouvoir vous dire exactement ce qui vaut vraiment ce véhicule. C'est une voiture qui est très facile à conduire, qui est agréable sur la route, sur l'autoroute, sur la nationale. Franchement, très très bon véhicule. L'esthétique reste bien pour une voiture de 2017. De la route, vous aurez assez de reprises avec ce véhicule. C'est une voiture qui est confortable. On est bien assis dedans. Elle est très très confortable à rouler. C'est vrai que moi, je me plains pas. Caméra à l'avant qui lit les panneaux, qui vous alerte en cas où de freinage. On aura les commandes au volant. Ici, vous aurez toutes les commandes, vitres électriques, la centralisation, les rétros électriques. Là, avec le siège poussé à fond, on a de la place pour les jambes, donc 3 vraies places. En 5 places, le coffre est immense. C'est vrai que ça fait un très très grand coffre. Quand on sera en position 7 places, c'est vrai que le coffre, alors là, il y aura plus de coffre. Bon, les deux sièges arrière en 7 places, c'est bien pour des enfants. Parce que sinon, pour les jambes, ça va être compliqué. Mais pour deux enfants, nickel chrome. Ici, vous avez les boutons pour replier les sièges automatiquement. Et vous pouvez replier tous les sièges d'un seul coup. Voilà. Et ça vous fait un seuil de chargement qui est immense et tout plat. C'est vrai que ça fait un très très grand seuil de chargement. Vous pouvez charger des grands meubles, tout. C'est vrai que c'est vraiment pratique aussi.
Alors sur ce véhicule, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Ça fait 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans que je l'ai. J'ai eu à faire la courroie de distribution, qui est normale. Elle a à faire à 80 000 km, donc ça, ça a été fait. Les pneus à changer, l'usure normale et l'entretien. Je n'ai jamais eu aucun problème avec ce véhicule. Vraiment aucun problème. Depuis 3 ans et demi, je n'ai jamais eu aucun problème. Et pourtant, j'ai fait, je vous dis, 76 000 km avec. Je n'ai eu aucun problème. Il tourne super bien. Moi, c'est un véhicule que je recommande. Oui, oui, le Scénic en 110, c'est un véhicule que je recommande. Il tourne super bien. Il n'y a rien à dire. Franchement, bon, je ne vais pas parler de prix parce que les prix évoluent de jour en jour avec les années et tout. Je ne vais pas parler de prix. Mais je ne l'ai pas payé très très cher et dans une concession. Donc, il n'y a pas eu de problème. Je l'ai acheté dans une concession. Chez Renault l'a fait, je ne vais pas au coteau, je ne vais pas le cacher de toute façon. Et puis, j'ai jamais eu aucun problème dessus. Il tourne franchement très très bien. Bon, je vous remercie tous d'être venus voir cette vidéo. Comme prévu, je fais gaffe parce que je descends les escaliers et que je ne me pète pas la figure en même temps. Si vous avez envie de la partager, bah vous la partagez. Vous voulez mettre un like, vous mettez un petit like, ça fera plaisir. Et puis, abonnez-vous. Et abonnez-vous aussi à la chaîne de Lilou M Dessin. Si vous aimez les dessins, abonnez-vous à sa chaîne. Ça lui fera très 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 plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend quand vous regardez la vidéo. Et à bientôt sur la chaîne.